Le programme Suisse Open Impact est né d'un constat et d'un besoin d'accélération. Notre écosystème en Suisse nous envoyait les signaux qu'il était important de pouvoir équiper toutes les entreprises, pas simplement celles qui sont déjà très engagées ou les pionnières dans le développement durable, mais vraiment d'adresser ça dans le tissu large économique. Il fallait créer un programme progressif, par étapes, pour permettre à tout le monde de rentrer et de se mettre en mouvement pour répondre aux 17 objectifs du développement durable. Nous amenons les outils, les connaissances, à travers des ateliers, pour pouvoir aider l'entreprise à identifier son périmètre d'action et puis d'activer avec elle, là où c'est pertinent, là où il y a un potentiel, des actions qui vont répondre aux 17 objectifs de développement durable. Le programme STI et Bilab sont là pour servir de relais vers les entreprises, pour leur dire quelles sont les opportunités que l'Agenda 2030 leur propose, pour leur dire aussi quelles sont les priorités qu'elles peuvent saisir pour se développer dans une perspective de développement durable. Wir können die nur erreichen, wenn die Wirtschaft eben hier auch mitwirkt. Das heißt, eine Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, zwischen Politik und Zivilgesellschaft sind absolut notwendig, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Ich würde auf jeden Fall raten, das Swiss Triple Impact Programm zu studieren. Es gibt eine Möglichkeit, mit kleinen Schritten einzusteigen. Das ist ein ganz großer Vorteil von diesem Programm. Und man kann sich aber auch vertiefen darin. Quand on a appris que au travers du Mont Bicorp, il y avait ce Mont STI qui allait permettre de prêcher la bonne parole au niveau suisse, on s'est dit il faut y aller, il faut qu'on apporte notre soutien et on y croit fortement. Pour nous, faire partie d'un mouvement, c'est avoir plus d'impact, c'est collaborer. Dans l'urgence actuelle, qu'elle soit climatique ou sociale, aucune compagnie peut travailler seule à transformer, à avoir de l'impact. Si nous voulons apporter la prospérité à la planète, il va falloir qu'on crée de la valeur de manière durable. Et si nous la créons que de manière instantanée, nous n'y arriverons pas. Donc pour moi, c'est absolument clair que l'économie aujourd'hui, elle sera durable ou elle ne sera pas. Wirtschaften und Wertschaften. So basically business was always meant to create value. Chacun peut amener une pierre à l'édifice.